Hey, doucement, petit. Ne me cogne pas comme ça. Je suis un vieux wagon. Désolé, mais on est des wagons du Grand Ouest américain. Nous, des durs. Tu vois, notre chemin de fer, ce n'est pas que le Grand Ouest. C'est avant tout l'Amérique. Nos anciens sont même partis en Europe, en France, pendant la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Des milliers d'entre nous ont transporté, ravitaillé et sont allés secourir nos soldats au front pendant ces temps difficiles. Oui, nos wagons, c'était des héros, mon garçon. Tu vois, c'est à La Rochelle, en France, qu'on a débarqué. Tu vois, mon garçon, c'est ça aussi notre histoire. Steinberg. Présent. MacGregor. Présent. Kavinsky. Présent. Rosen. Présent. Chin. Présent. Dumont. Dumont. Présent. Capelloni. Capelloni, vous êtes italien? Non, Brooklyn. Vous êtes écossais? Non, américain, comme ce wagon. Yes. Mon amour, nous arrivons en Champagne, oui, le Champagne de France. N'aie crainte,
Je suis bien à l'abri ici, dans un wagon de chez nous qui nous protège. J'espère que quelqu'un te fera parvenir ce message. Je t'embrasse tendrement. Tiens, voilà le ravitaillement. Il y aura peut-être une lettre pour toi dans un de ces wagons. Hariko! C'est le courrier! Chérie, je suis heureuse d'apprendre que ça va pour toi et les garçons. Et je suis soulagée de te savoir sain et sauf dans cet étrange wagon américain. Ce que tu fais en ce moment est si courageux. Ces wagons me donnent de l'espoir et j'espère que tu crois en eux aussi. À la maison, tout va bien. J'ai trouvé un emploi dans un magasin de vêtements, ce qui m'occupe bien. Le soir, je mets encore deux couverts sur la table, par habitude. C'est drôle, tu ne trouves pas ? Je lis un peu, et ensuite je m'endors. T'en fais pas mon gars, maintenant on va s'occuper de toi. Ça va ? Mmh.
Tout va bien. Ici, dans ce wagon, vous ne craignez rien. Pendant la Première Guerre mondiale, les États-Unis d'Amérique auront fabriqué, acheminé et assemblé en France plus de 37 000 wagons. Les hommes du 35e Engineers Corps C de Pennsylvanie, basés à La Rochelle, auront grandement pris part à cet effort humain et matériel. Ce film leur rend hommage. «